Ok, les gars, comme je vous ai dit, vous savez, mercredi, mon livre sort. La psychologie inversée des femmes. Ça sort mercredi. Mercredi 6 septembre. C'est là que le livre sort, la psychologie inversée des femmes. Voilà, c'est pour mercredi. Donc, ceux qui sont en Afrique, vous pouvez acheter. Les gens de Côte d'Ivoire, les Morgans de Côte d'Ivoire, là. Ceux qui veulent utiliser Wave, là. Il n'y a pas de problème. Wave, là, vous pouvez utiliser Wave. Voilà. Ceux qui veulent utiliser Wave, vous pouvez utiliser Wave. Ceux qui veulent utiliser Orange Money, il va vous donner des... Sur la page de vente, là, il y aura une partie pour les gens qui veulent faire Mobile Money. Vous comprenez un peu? Le livre n'est pas encore sorti. Vous comprenez un peu? Le livre sort mercredi. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Le livre sort mercredi. Vous comprenez un peu? Voilà. Le livre sort mercredi. Donc, en esprit, je suis en train de dire aux gens que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si tu es en Afrique, tu comprends un peu, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Togo, Sénégal, Burkina, quoi. Voilà. C'est ça que tu dois voir ça. La psychologie inversée des femmes. Tu vois un peu? Le prix, c'est 25 euros. 25 euros, la psychologie inversée des femmes. Voilà, la psychologie inversée des femmes. Donc, ça sort le 6. L'heure en GMT. 18h30. Voilà, 18h30. Voilà, ça sort à 18h30. Donc, voilà, c'est le 6 que ça sort. Donc, je vous attends. Le 6, la psychologie inversée des femmes. Je viens quand au Bénin. Et si vous m'invitez, viens. C'est vrai qu'il doit aller dans certains pays, mais ma popularité n'a pas encore bien grandi. Quand ma popularité va bien grandir, hein, quand il y aura les 200 000 abonnés, vous comprenez un peu, quand il y aura les 200 000 abonnés, il va commencer à aller en Afrique, surtout les pays d'à côté, Mali, Sénégal, Togo, Bénin, vous voyez un peu, non? Surtout Togo, Bénin, là, il y a beaucoup d'abonnés là-bas. Togo, Bénin, il y a beaucoup d'abonnés là-bas. Donc, il y a allé beaucoup là-bas. Voilà, il est parti là-bas. Peut-être qu'il a cherché à dire, ah, ici, dans tel endroit, voir les endroits où on peut ce truc. Vous voyez un peu, non? Ceux qui sont en France, là, vous allez payer par carte. Ne vous inquiétez pas. Quand le livre va sortir, il a toujours fait les lives. Toute cette semaine-là, il a fait des lives pour vous rediriger sur comment vous allez acheter. Les gens de Togo, vous pourrez acheter par Move Money. Togo et puis Bénin, là. Move Money ou bien MTN Money, Momo. C'est pas ça que vous achetez la majeure partie du temps. Maintenant, si tu es en Afrique, tu as ta carte de crédit, tu peux acheter ta carte de crédit. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, là. Je ne sais pas pourquoi, hein. Mais les gens de Côte d'Ivoire, là, essayez d'avoir des cartes Jamo. Vous comprenez un peu? Les gens de Congo, la majeure partie du temps, ils payent par carte. Vous comprenez un peu? Les gens qui sont au Congo, la majeure partie du temps, ils payent par carte. Ou bien s'ils ne payent pas par carte, ils payent par Western Union ou RIA. Vous comprenez un peu? Voilà, ils payent par Western Union ou RIA. Donc, il est en train de dire quoi même là? Je ne me rappelle même plus de ce qu'il est en train de dire même. Comme il disait là, donc il est venu dans certains pays, les pays d'à côté, Bénin, tout ça là, il est venu là-bas. Maintenant, Jamo là, les gens qui sont en Côte d'Ivoire là, bro, tu as fait quoi, je suis où? Pourquoi vous voulez savoir, je suis où même? Ah! Il dit pas où je suis. Il dit pas où je suis. Tu me vois dans mon portable, ici dans ton portable. Ici dans ton portable, ici sur YouTube, ici sur TikTok. Les gens du Sénégal, vous pouvez payer par Western et par Wave. Wave ou bien Orange Money. Si tu es au Sénégal, Wave ou bien Orange Money. Tu pourras acheter par Wave ou bien Orange Money si tu es au Sénégal. Si tu es en Afrique aussi, que tu as carte de crédit, tu peux acheter ta carte de crédit. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les Ivoiriens, là. Les gars, achetez carte Jamo. Jamo, c'est 5000 francs. Ou bien Abidjan.net, c'est 10 000 francs. Vous comprenez un peu? Mais 4 Jamo là, c'est très bon. Moi, j'ai voyagé ma 4 Jamo. J'utilise ça pour faire des paiements en ligne, ce genre de choses là. J'utilise ma 4 Jamo pour faire des paiements en ligne. Vous comprenez un peu? Et avec Jamo, même à partir de ta carte, en fait, à partir de ton compte Wave, tu peux transférer l'argent sur Jamo pour faire tes paiements en ligne. Parce que le monde est en train de se digitaliser. Je ne sais pas pourquoi vous voulez pas vous refuser de vous digitaliser. Même si tu as 16 ans, 17 ans, tu peux avoir une petite carte de crédit. Vous comprenez un peu, les petits qui font du gaming, tout ça, les petits qui achètent les trucs en ligne, là. Vous comprenez un peu, c'est avec le carte de crédit qu'ils achètent tout. Vous voyez un peu, non? Voilà, les gars, je vous aime aussi. Si vous m'aimez, vous aime.
Vous comprenez un peu? Utilise Stripe. Quand tu as payé ta carte de crédit, c'est normal. Stripe, ça va venir. Voilà. Trois fois, voilà ta carte de crédit seulement. Vous voyez un peu? Voilà. Et c'est 25 euros. 25 euros. Voici le livre. La psychologie inversée des femmes. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le livre qui est là. Voilà. C'est le livre qui est là. La psychologie inversée des femmes. Voilà. Donc, le 6 septembre. Le 6 septembre. Le 6 septembre. Et allez, vous avez dit, hein, mon anniversaire, c'est le 9 septembre. Hein. C'est le 9 septembre, mon anniversaire. Donc, commencez à prier pour moi. Payez les gola font tout mes bassins. Priez pour moi. Hein. C'est tout ce que vous demandez. Je ne vous demande rien. Priez pour moi. Priez pour moi. Sinon, les gola, si elles tombent, vous allez tomber. Hein. Si elles tombent, vous allez tomber. Priez beaucoup pour moi. Les gola en veulent à ma vie. Ok. Il n'y a pas de version papier. Y a pas de... Non, mon anniversaire, c'est pas aujourd'hui, c'est le 9. Il n'y a pas de version papier. Tu comprends un peu? Il n'y a pas de version papier. C'est la version est digitale. Vous comprenez un peu? La version est digitale. Donc, c'est ça, la psychologie inversée des femmes. Maintenant, si vous voulez, je peux vous montrer, en fait, comme on appelle ça, le sommaire. Si vous voulez, je peux vous montrer le sommaire pour que vous puissiez voir, en fait, à quoi ça ressemble. Attendez, je vais vous montrer un peu le sommaire. Ok, d'accord. Je vous montre un peu le sommaire ici. Voilà, le livre est en PDF, mon frère. Si elle doit livrer à mes abonnés qui sont en Tunisie, à mes abonnés qui sont là, tu vois, la logistique demande beaucoup d'argent. Voilà. Voilà. Donc, voici ça. Voici les différents sommets. L'attraction ne se négocie pas. C'est le premier chapitre. L'attraction ne se négocie pas. Vous comprenez un peu? L'attraction ne se négocie pas. Et les hommes ne comprennent pas ça. L'attraction, on ne négocie pas ça. Comme je vous ai dit, une femme ne choisit pas de tomber amoureuse d'un homme. Une femme ne choisit pas d'être amoureuse d'un homme. Elle subit ça. Vous comprenez un peu? L'attraction se subit. L'amour se subit. Tu ne choisis pas. C'est à cause de ça qu'on dit l'attraction ne se négocie pas. L'argent ne compte pas pour les femmes. Et ça, c'est un chapitre qui va vraiment... C'est un chapitre vraiment qui va, comment on appelle ça? Qui sera beaucoup controversé. Ça va fatiguer l'esprit de beaucoup d'hommes. Les hommes qui sont là, cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent. Tu vois un peu, les gens, ça va vous fatiguer parce que l'argent ne compte pas pour les femmes. Tu comprends un peu? L'argent ne compte pas pour les femmes. Quand la femme voit un homme qui a l'argent, ce n'est pas l'argent qu'elle voit. Elle voit en fait le lifestyle. Tu comprends un peu? Et ça, je vais vous, attends, vous expliquer un peu en live pour que vous puissiez comprendre. Il y a un truc qui est là, c'est quoi? Vous devez comprendre quelque chose, hein. L'argent ne compte pas pour la femme. La femme, là, il vous a dit, la nature s'en fout de ce que l'homme pense. La nature s'en fout de ce que la société. Le livre est 25 euros. 25 euros, 25 euros, 25 euros. Donc, comme il dit, la nature, en fait, ne se soucie pas de ce que la société dit. Vous comprenez un peu? Donc, quand une femme voit un homme qui a l'argent, pourquoi elle vous dit ça? Même quand une femme voit un homme qui a l'argent, quand une femme voit un homme qui a l'argent, malgré ça, elle lui fait des tests. Elle le shit test. Vous comprenez un peu, non? Elle le shit test. Vous comprenez? Quand elle va commencer à causer, lui, à cause de ça, une femme va voir sa voiture, une voiture passer, elle va s'abaisser pour voir quel type d'homme est dedans. Si c'est un monsieur gros sale, là, elle va le boire. Vous comprenez un peu? Voilà, l'argent ne compte pas réellement pour la femme. Ce qui compte pour la femme, ce sont les caractéristiques naturelles, à l'état naturel qui l'attire. Vous comprenez? Pour ça que la femme est fan d'un homme qui a un mental très fort. Vous comprenez, non? Voilà, la femme est fan d'un homme qui a un mental très fort. Et donc, quand la femme voit un homme qui a de l'argent, hein? Je vous explique, quand la femme voit un homme qui a de l'argent, écoutez bien, les gens qui soit, ce sont l'argent, ce sont l'antithèse. Même si tu as l'argent que tu ne sais pas chercher, femme et l'argent, tu as échoué. C'est mieux vous dire ça en même temps. Si vous n'avez jamais vu ça, demandez à Steve Harvey, va vous dire. Hein? Demandez à Steve Harvey, va vous dire. Même si tu as l'argent, tu comprends un peu? Quand la femme te voit là, l'argent que tu as là, ce que ça signifie, le mental d'Oufoué Boigny petit, le mental d'Oufoué Boigny. Radical comme bois de manioc. Donc, en vérité, quand une femme, en fait, voit un homme qui a l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la femme voit un homme qui a du succès, qui a de l'argent, comme un homme qui sait surmonter les épreuves.
Pour ça que vous devez comprendre que quand ils voient un homme qui a de l'argent, il y a le respect dedans. Pourquoi tu respectes un homme qui a l'argent? Parce que ça demande des efforts. Tu comprends un peu? Ça demande de la discipline. Et c'est cette qualité naturelle-là que la femme regarde dans l'homme qui a l'argent. Tu comprends un peu? Ça représente peut-être un homme qui est fort mentalement. C'est cette qualité-là que la femme regarde instinctivement dans cette histoire de il a l'argent. Tu comprends un peu? C'est à cause de ça que l'argent ne compte pas réellement pour les femmes. Tu vois? Et donc, malgré que tu as l'argent, la femme va quand même tester en fait ta force mentale, ta force émotionnelle. À cause de ça que, malgré que tu as l'argent, elle va tester si tu as peur de la peine. Malgré que tu as l'argent, elle va tester ça. Malgré que tu as l'argent, quand avec ton argent, elle va te dire non, il ne peut pas te voir aujourd'hui. Hein. Malgré que tu as l'argent, ta grosse voiture, femme te dit ça. Elle te dit que non, aujourd'hui, il n'est pas le temps, on ne peut pas se voir. Hein, pour voir si toi, tu as lui dit, hey, mais j'ai envie de te voir, j'ai envie de te voir. Vous n'avez jamais vu les vieux morons qui sont dans leurs grosses voitures, les sugar daddy et puis les petits filles, là, crient sur eux. Vous n'avez jamais vu ça. C'est parce qu'en vérité, l'argent ne compte pas en réalité pour la femme. Donc, tu comprends un peu? Et vous avez toujours dit, l'attitude en fait d'un homme, c'est ce qui fait que la femme est réellement là. À cause de ça que tu as voir un vieux mort, ils ont dit quoi? Steve avait à tromper sa femme avec. La femme de Steve avait la trompé avec qui? Elle le garde du corps. Tu vois un peu? Parce que c'est l'attitude d'un homme qui attire une femme, en fait. C'est l'attitude d'un homme qui fait que. Donc la femme a des manières instinctives, des manières naturelles de déterminer si lui-là, il est bon en fait pour la procréation. De déterminer si lui-là, en vérité, il est bon en fait pour être un partenaire sexuel. Est-ce que dans son ADN, en fait, il y a l'autorité, en fait? La femme a des trucs pour déterminer ça. À cause de ça, qu'elle vous parle toujours de caractère, caractère. Si vous avez bien compris le message, ceux qui me suivent depuis le début, là, si vous avez bien compris le message, en fait, qu'ils m'ont fait passer, ce n'est pas un message qui est au sujet des femmes. Moi, je me soucie plus de ce que, en fait, vous êtes en tant que garçon. Tu vois? Pour ça que quand tu montes dans mon live, ce qui était dit, il te dit que bro, ta manière, ta voix même me dit que tu n'es pas ce qu'il veut que tu sois. Parce que ce n'est pas au niveau des femmes d'abord. Tu comprends un peu? Ce n'est pas au niveau des femmes d'abord, c'est au niveau de toi-même. Tu vois, c'est à toi ton niveau. Il veut que tu sois un genre d'homme. Parce qu'il y a un genre d'homme, il y a un genre d'homme que quand la femme voit, elle est intimidée. Tu comprends un peu? Il y a un genre d'homme que quand la femme voit, elle est intimidée. Mais elle va, ton physique peut intimider une femme. Il n'y a pas de problème. Ton physique peut intimider une femme. Tu es beau, tu es joli, tu es tout. Et les tests maintenant que la femme fait, c'est pour voir aussi. Tu es forme physiquement, physiquement tu es beau, physiquement tu es bien joli. Ça, c'est la force physique. Tu comprends un peu? Et la femme, par son caractère, elle va tester aussi ta force mentale. Tu comprends? Tout ça là, ton âme n'est pas dedans. Hein? Tout ça là, ton âme n'est pas dedans. Hein? C'est des procédés naturels. Tu comprends? C'est des procédés naturels. Donc maintenant, elle a fini de voir qu'il est joli, il est mignon, tout, tout, tout. Non. Elle teste maintenant l'homme intérieur. L'homme intérieur là. C'est lui dont il te parle là. C'est cet homme intérieur que moi, j'essaie de changer par mes messages. Tu comprends un peu? Tu comprends, non? C'est cet homme intérieur là que moi, je cherche. Il dit le 6 septembre, pas le 8 septembre, le 6. Tu vois? C'est cet homme intérieur là que moi, j'essaie de changer. Parce que le résultat, ce n'est pas que tu saches chercher femme. Non. Le résultat, ce n'est pas que tu saches chercher femme. Il y a un certain type d'homme que si tu reviens. Il y a un certain type d'homme que si tu deviens là. Sans, même si tu ne veux pas des goulets, elles vont te vouloir. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Vous comprenez, non? Il y a un certain type d'homme, qu'est-ce qui devient là? J'essaie de vous débattre sur les chapitres de mon livre, quoi. Hein? Il y a un certain type d'homme, qu'est-ce qui devient là? Même si tu ne veux pas, même si toi-même tu ne veux pas, elles seront fans de toi. Tu comprends un peu? Même si tu ne veux pas, elles seront fans de toi. Messi, hein? Vous ne voyez pas Messi. On dit Messi même quand il est goulard. Il les attrape même pas même. Il les attrape même pas même. Mais elles sont borrow. Et vous, si vous comprenez quelque chose, vous allez voir que Messi est l'un des joueurs les plus attirants pour les femmes. C'est même pas Ronaldo. Messi est l'un des hommes les plus attirants pour les femmes. Pourquoi Messi est attirant pour les femmes? Pas à cause de son argent. Hein. Simplement parce que Messi dit, mon mec, il fait rien vous-même. Sa gamme, ça là, les goulas ne supportent pas ça. Pourquoi toi, tu fais rien nous? Donc, nous allons te montrer tout pour que tu aies fait quelque chose à nous. Parce que vous avez dit quoi? Ce que tu mets hors des portées de la femme, c'est tout ce qu'elle va essayer d'attraper. Tu comprends un peu? Donc, si dans ton école, si dans ton travail, si dans ta ville, tu deviens un homme qui te met à portée, que non, vous là, vous ne pouvez pas m'avoir même, les Gaulois seront gamés sur toi. À cause de ça, tu vois que les Gaulois sont sur mon Instagram. Lui, il m'énerve, il m'énerve. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas le Sharingan. Il les énerve pas.
Tu comprends pas leur manière de parler. Tu vois un peu, non? Ils les énervent pas. Ils les mènent à un giga qu'elles n'ont jamais vu. Tu vois un peu, ils doivent les déchiffrer. Entends, c'est dangereux. Entends, le danger, ça attire les femmes. Il y a tout ça là-dedans. Tu comprends, non? Il y a tout ça là-dedans. Donc, en esprit, vous devez comprendre ça. L'argent, en vérité, c'est une attrape. C'est comme si c'est habillage. Comme on dit chez nous en français, en Côte d'Ivoire. L'argent, là, c'est habillage. C'est couverture. Tu comprends, non? C'est une couverture. Quand la femme voit, elle voit que ta montre là, ça brille. Est-ce que c'est un or? La couleur l'appelle. Maintenant, elle va venir tester, frotter pour voir si c'est vraiment or. Comment elle fait pour voir si c'est vraiment or? C'est quand elle teste ton caractère. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, en vérité, l'argent ne compte réellement pas pour les femmes. Tu comprends? Le Malik. Tu connais, non, mon frère? Vous voyez? L'argent ne compte pas pour les femmes. Et vous devez mettre ça dans votre tête. Ça, c'est le deuxième chapitre du livre. Vous voyez un peu? Le deuxième chapitre du livre. L'argent ne compte pas. Dans le monde des femmes, l'argent n'existe pas. Et il y a un deuxième truc que vous devez comprendre. Attendez, vous montre. Ok, premier chapitre. L'attraction ne se négocie pas. Deuxième truc. L'argent ne compte pas pour les femmes. Pourquoi est-ce que je vous donne une deuxième ouverture sur ça là? C'est quoi? C'est que, en vérité, pourquoi un homme qui a l'argent a beaucoup de chances en fait d'avoir une femme? Parce que, en fait, l'argent est facile de provoquer des émotions chez la femme. Tu comprends? Tu peux utiliser les femmes, elles réagissent aux émotions. Et l'argent peut faire que tu as provoqué beaucoup d'émotions chez la femme. C'est-à-dire quoi? Tu rencontres une femme aujourd'hui, tu dis que bon, viens, demain, tu vas à Dubaï. Elle ne croit pas. C'est une émotion que tu viens de susciter. C'est ce que tu dois comprendre. C'est une émotion. En fait, vous devez comprendre que les émotions qui rendent les femmes amoureuses, là, ce n'est pas seulement des émotions négatives. Genre la colère. Non, ce n'est pas seulement les émotions négatives. Les émotions positives aussi font tomber les femmes amoureuses. Tu comprends un peu? Les émotions positives font aussi tomber les femmes amoureuses. C'est-à-dire tu la rends joyeuse. Quand tu la vois, aujourd'hui, tu rencontres une femme et puis tu lui dis, bon, dans une semaine, elle t'envoie à Dubaï. Elle est d'un giga. Tu comprends, non? L'argent peut faire ça. L'argent te facilite à provoquer des émotions chez la femme. Tu comprends? L'argent te facilite parce que les femmes aiment s'amuser. Ce sont des enfants. Donc, l'argent te facilite à créer ce genre de choses-là. Ce qui fait que tu peux l'amener dans beaucoup d'émotions. Mais si tu n'as pas le savoir-faire, si tu n'as pas la compréhension de ça, tu ne peux même pas savoir. À cause de ça, vous allez voir qu'il y a des personnes qui arrivent à rendre des femmes amoureuses. Vous comprenez un peu? Mais ils ne savent pas pourquoi. Et ça arrivait à plein de personnes avant qu'ils découvrent ma chaîne même. Ils ne savent pas pourquoi la gola, elle aussi. Ils ne savent pas pourquoi la gola, elle aussi fond de lui. Parce qu'il a des attitudes qui provoquent des émotions. Mais lui-même, il ne sait pas. Tu vois un peu? À cause de ça, qu'il y a des morts qui sont des morts gamés, mais ils ne connaissent pas nos limites, ils ne connaissent pas le game. Mais ce sont des morts gamés. Tu comprends un peu? Quand il faut faire le wedding, il dit qu'il y a des bêtises, il ne parle dedans, il ne faut plus faire ses mots, puis la boue. Sans le savoir, il sait pas, il n'a pas fait ça dans l'objectif qu'elle va devenir fond de lui. Mais ce genre de caractère-là, ça monte en fait l'autorité. Automatiquement, ça attire la femme. Vous comprenez un peu? Voilà. Automatiquement, ça attire la femme. Et c'est ce que vous devez comprendre. Les femmes sont attirées par les hommes qui provoquent les émotions chez elles. Beaucoup des émotions. Tu vois un peu? Donc, c'est ce genre de choses-là que vous devez comprendre. Voilà, la femme, c'est con. Donc, même si tu as l'argent, vous-même, vous ouvrez les yeux, vous allez voir. Ouvrez les yeux, vous allez voir. L'argent, ça ne fait pas tout. Il y a un caractère qu'un homme a là. Même quand il n'a pas l'argent, il fait peur. Vous comprenez un peu? Même, il y a dit que game que moi, il vous donne là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous donner ça. Même s'il est en France, il ne peut pas vous donner ça. Ça vient de Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous donne ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous donner ça. Hein? C'est si terrain, l'homme a appris tout ça là. Ce n'est pas un moment. Voilà, donc, ce qu'elle vous dit, c'est mieux d'apprendre ton temps. C'est mieux d'apprendre ton temps pour apprendre un peu comment ça fonctionne. Parce qu'une fois que tu as compris comment les femmes fonctionnent réellement, frère, tu es libre dans ta tête. Là, maintenant, tu peux chercher l'argent. Tu comprends un peu? Paye-moi pas de problème des femmes, hein. Moi, tu sais comment les boulets fonctionnent. Tu fais quoi, tu es beau, tu fais quoi, tu es libre, tu fais quoi, tu fais tant. Quand c'est quoi, tu n'as pas trop de problème de chercher l'argent. Mais il y a les vieux morts. Ils ne comprennent pas. Ils se disent que non, moi, j'ai mon lent. Femme, la faut laisser quand il a avoir lent. Quand il a l'argent maintenant, là, Mousseau les fatigue. Il ne sait pas. C'est ça qui fait que certains vieux moraux se suicident. Pourquoi? Parce que le vieux moraux, il a mis tout son espoir de chercher femme si l'argent. Tu comprends, non?
Lui, là, depuis les petits, non, moi, je suis quitté dans la galère, il a cherché l'argent, hein, il a cherché l'argent. Quand il va l'argent, là, les goulets vont me connaître. Donc maintenant, il a l'argent, non. Ce qui fait qu'il n'a pas de game, il ne comprend pas le modèle, comment ça opère. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les femmes qui l'attirent sont des gold diggers. À cause de ça, tu vas voir qu'une femme vient et puis elle bouffe l'argent d'un mort seulement. Parce que le giga dans lequel il a pris, là, c'est un giga de l'argent. Il a rencontré en boîte. Tu vois un peu? Il a rencontré en boîte. Il dit au serveur, envoyez deux champagnes à cette femme-là, puis dites-lui que c'est moi. Tu vois un peu? Il n'y a pas de drap. Mais en fait, le mouvement, c'est quoi? La gloire a compris que, toi, tu as l'argent. Ok, d'accord. Quand tu es réel, il a dit, bah, voiture. Ah, lui, elle peut payer ma maison. C'est fini. C'est fini. Elle a compris ça. Parce que tu n'es pas venu. Quand tu es un homme riche, mais tu dois faire comme si tu es pauvre. Tu comprends un peu? Vraiment, qui sait chercher femme là, mais maintenant il a l'an, mais il veut même pas qu'on a qu'à savoir. Tu comprends? Vraiment, qui a l'an, quand il a l'an, il veut pas qu'on a qu'à savoir. Il s'en tombe sur la go. Tu comprends, non? C'est après, il va savoir qu'il a l'argent. C'est après, il va savoir qu'il a l'argent. Il vient dans sa petite voiture Toyota. Non, tu peux pas savoir que lui, il a deux châteaux. Il vient quoi? Mais si c'est un mort prêt, tu vas voir que ça gamme même lui-même, ça prend science de la go. Elle est fan de son giga. Vous n'avez jamais vu ça? Tu vois une petite gueule, son papa le dit, mais elle est fan de nous si. Dis que son papa est devenu fou. Elle est fan de nous si, son papa même est devenu fou. Lui là maintenant, mais tu as vu quoi, mais c'est un brigand. Elle dit que papa, laisse tous ces mouvements là, tu racontes ta vie. Moi là, je suis dans le brigandage. C'est ça moi il veut. Tu comprends un peu? Ça c'est un mort qui peut retourner tête d'une petite go. Et ça là, moi, mais il a fait ça, c'est pas un mouvement, c'est moi, il a vu ça, moi, certaines gosses sont vieux, c'est moi, elle. Il peut pas comprendre. Ici, dans le cerveau. Je comprends un peu. Donc, c'est pas un giga comme si il vous dit que non, c'est si, c'est ça. C'est réel, les morts. Quand tu t'es cherché femme, tu n'as pas besoin de l'argent. L'argent, ça vient accompagner. Tu comprends un peu? L'argent, ça vient accompagner. Parce que tu vois, moi, ici, là, moi, ici, dans ma galère. Hein? Ici, dans ma galère, mais tu as vu game qui connaît, non? Imagine, là. Ici, tranché dans la ville. Tu comprends un peu? C'est quoi? Donc, l'argent n'existe pas en réalité pour les femmes. Ça, c'est le deuxième chapitre de mon livre. Voilà ça. Ah, c'est le deuxième chapitre de mon livre. L'argent n'existe pas pour les femmes. Maintenant, le troisième chapitre, c'est quoi? Les femmes ne se soucient pas de vos émotions. C'est le troisième chapitre. Les femmes ne se soucient pas de vos sentiments. C'est le troisième chapitre. Et je vous explique un peu. Je vous explique un peu c'est quoi. Les femmes ne se soucient pas réellement des sentiments de l'homme. Comprenez que dans leur nature, en fait, les femmes sont égoïstes. Tu comprends un peu? Les femmes sont égoïstes dans leur nature. Ça, c'est le troisième chapitre de mon livre. Dans leur nature, je vous donne un game en même temps pour que vous ayez vous préparé à lire mon livre, tout, voilà, et vous avez dit non. Donc, en même temps, il fait le game sur le livre. Dans leur nature, le game est intéressant. Dans leur nature, les femmes sont des personnes égoïstes. Comprenez que tout ce qu'une femme aussi, tout à l'heure vous avez dit non, la femme tombe amoureuse par les émotions. Donc quelque part, quand il regarde, c'est à cause de ce que tu lui fais subir que la femme est amoureuse de toi. Elle n'est pas amoureuse de toi, elle est amoureuse de ce que tu fais. Tu vois un peu? Elle est amoureuse de ce que tu fais. Elle est amoureuse de comment tu l'as fait se sentir. Tu vois, la femme amoureuse, comment tu l'as fait se sentir? C'est comme ça que ça se passe. Pour ça que tu as rencontré un mongol, il va dire non, tant, une femme m'a laissé pour tel homme, une femme m'a laissé pour tel homme, mais il n'est pas joli que moi, il n'a pas l'argent que moi. C'est ça qu'il te dit. En esprit, dans ce genre de cas-là, tu dois comprendre quelque chose. La femme, elle tombe amoureuse par comment l'homme l'a fait se sentir. C'est ça qu'on appelle émotion. Ça se rallie au chapitre des affaires des émotions, que les femmes tombent amoureuses par les émotions. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Quand tu es dans une pièce, il y a une femme rentre dans une pièce et il y a 9 personnes qui sont là, tu es la plus belle. Elle ne se soucie pas d'eux. Tu comprends un peu? Elle se soucie de celui, le 10e homme qui va rentrer dans la pièce et il ne va pas la regarder. Tu comprends un peu? Il ne va pas la regarder. Cet homme-là, il suscite une émotion en la femme. Tu vois un peu? Donc, c'est sur la base de ça que la femme commence à prêter attention à lui. Tu vois un peu, non? C'est sur la femme, la base de ses émotions que l'homme l'a fait subir, que la femme commence à truc. Une femme, elle va te voir dans ta galère. Tu vois un peu? Non, moi, je ne suis pas un supporter de Real. Moi, je suis un supporter de l'aller. Moi, je supporte nos limites. Voilà, moi-même, je supporte personne.
clair, clair. Il me supporte. Alors, mon Michel Lombe me supporte, pas de supporter rien. Donc, en esprit, c'est si la base de ça, en fait. Voilà, c'est si la base. Non, faut laisser ça, mon frère. Faut laisser ça, faut laisser regardable. Les émotions, c'est puissant. Tu comprends? Et vous avez dit, le développement personnel, c'est à 360. Tu vois un peu? La même manière, tu améliores ton physique, faut améliorer ton mental, faut améliorer tout. Tu comprends un peu? Tu n'améliores pas un côté pour laisser l'autre. À quoi c'est vous avez parlé tout à l'heure que les gars qui comptent trop sur l'argent, ça va les fatiguer. Ça va les fatiguer beaucoup. Tu vois un peu? Il faut que tu aies une personnalité, une forte personnalité. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que les femmes aiment les hommes, en fait, auxquels les autres hommes veulent ressembler. Tu comprends un peu, non? Quand ils voient Ronaldo, les autres hommes aiment, ils aimeraient être comme Ronaldo. Ça, ça attire les femmes. Ça montre des signes de leadership. Tu comprends un peu? Ça montre des signes de leadership. À cause de ça, que tu vois qu'il y a les petits gars qui viennent dans mes directs pour venir, vouloir venir causer tout. Parce qu'elles comprennent qu'il y a d'autres garçons qui veulent faire comme moi. Ils veulent appliquer la gamme que nos limites appliquent. Donc, ça fait de moi un leader. Ça fait que les femmes apprécient. Elles apprécient ma science. Mais en même temps, le contenu qui est fait est un contenu qui est controversé. Donc, ça crée en fait quoi? Ça crée de la confusion. Ça aussi, c'est une émotion. Tu comprends un peu? Ça aussi, c'est une émotion. Donc, vous devez comprendre ça. Cette partie-là, les femmes ne se soucient pas de vos sentiments. C'est à cause de ça que quand une femme te trompe et il y a le monkey branch, tu vas remarquer que la femme n'a pratiquement plus de sentiments pour toi. Pourquoi la femme n'a plus de sentiments pour toi? C'est séduction qui te fatigue. Ah, faut bien regarder les vidéos et puis faut aller sur le terrain. Il y a ça aussi. Tu comprends un peu? Tu ne vas pas tout apprendre en restant assis là. C'est vrai, si tu iras à mes vidéos, tu vas voir la théorie, mais va sur le terrain. Faut aller sur le terrain, va causer les go. Il n'est pas dit d'aller dans l'objectif, en fait, d'aller prendre ton nom pour envoyer les go dans le restaurant. Va causer les femmes seulement pour perdre le temps, pour pouvoir avoir l'envie de parler, ne plus avoir peur des femmes, parler aux femmes comme tu parles aux gens. Voilà, il n'est pas dit d'aller sur le terrain pour être un bêta, pour laisser ton amélioration. C'est pas ce qu'elle dit. Ah bon, donc. Les gars qui sont au quartier causent elles, les gars qui sont à l'école causent elles. Elle n'est pas dit va te promener dans la rue pour aller arrêter les femmes. Ça c'est pas dans mon équipe on fait ça. Tu vois un peu non? Donc, en vérité, les femmes ne se soucient pas de vos sentiments. À cause de ça, que quand tu vois une femme commence à ne plus t'aimer, elle est cruelle. À cause de ça, vous dites n'ayez pas pitié des femmes. Les femmes n'ont pas pitié des garçons. Quand tu commences à avoir pitié des femmes, la femme commence à penser que non, c'est une faiblesse. Elle commence à penser que tu es un imbécile. Tu comprends un peu? Quand tu vois une femme, elle est dans sa pauvreté, tout, et puis toi, tu veux l'aider, elle est dans le temps, tu veux l'aider. En vérité, la femme a tendance à te prendre pour un imbécile. Tu comprends un peu? Parce que les femmes ne se soucient pas de toi. Et la femme va t'utiliser jusqu'à ce qu'elle ait une meilleure option. Tu comprends un peu? La femme va t'utiliser jusqu'à ce qu'elle ait une meilleure option. Souvent, c'est pas parce que la femme est loyale qu'elle est avec toi. Tu vois un peu? Tu peux tester la loyauté d'une femme quand une meilleure option vient à elle et puis elle dit non. C'est là on sait que c'est une femme loyale, elle t'aime. La femme est loyale tant qu'elle n'a pas de meilleure option. Les femmes qui sont loyales sont les femmes qui ont refusé des meilleures options pour rester un tel homme. Et ça, elles sont une sur 2000. Si 2000 femmes, il y a une seule qui fait ça. Tu comprends un peu? Sur 2000 femmes, il y a une seule qui fait ça. Qui laisse une meilleure offre pour rester un homme qu'elle dit elle lui paye, elle croit en lui. Qui va devenir grand demain. Tu comprends un peu? Donc la nature féminine est cruelle. Les femmes sont là pour leur sécurité. Les femmes sont là pour leur suivi. Tu vois un peu? Donc tout ce qu'une femme fait pour toi, en vérité, c'est passé. C'est pour elle-même qu'elle le fait. La loyauté est très rare dans la femme. La loyauté est très rare. Très rare. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, à cause de ça, vous avez remarqué aussi que la femme aussi, pourquoi? Elle est. C'est à cause de ça, une femme peut être en relation, elle te donne l'illusion d'être en relation avec toi pendant qu'elle est célibataire sur le marché. Tu comprends un peu? Elle est célibataire sur le marché. Parce que c'est ça que c'est la vidéo d'aujourd'hui. Elle continue de faire des vidéos pour faire attirer l'attention. Elle continue de parler à d'autres personnes. Elle continue de faire ça, elle continue de faire ça. Pendant qu'elle te donne l'illusion d'être en relation avec toi. Parce que quoi? Elle ne ferme pas ses options. Elle est à la recherche des mieux. À la recherche des mieux. À la recherche des mieux. Pendant que l'homme n'est pas comme ça. L'homme, il est à go, il apprécie, c'est fini, il aime comme ça. Mais la femme n'est pas comme ça. La femme ne ferme pas ses options. La majeure partie du temps dans les coachings, c'est ce qui se passe. La femme ne ferme pas ses options. Elle continue de parler. Elle continue de causer à la recherche des meilleures options. Parce que la femme n'a pas la loyauté en elle. La femme ne cherche que sa suivi. Tu comprends un peu?
La femme ne cherche que sa survie, elle ne cherche que sa sécurité. Tu comprends? Donc elle est égoïste quelque part. Et cet égoïsme en fait là, quand elle tombe sur des hommes aussi qui commencent à devenir égoïstes, elle est attirée par eux parce qu'ils agissent comme elle. Ils agissent comme elle. Tu comprends un peu? Quand tu es égoïste aussi, la femme commence à être à t'apprécier. Pour ça qu'elles sont là toujours pour les hommes qui les maltraitent. Puis elles voient que non, lui aussi, il est comme moi. Il me maltraite aussi. Puis moi aussi, je suis égoïste aussi. Pour ça que vous devez apprendre aussi souvent, dans certains cas, à être égoïste avec les femmes. Tu comprends un peu? Il faut que vous appreniez à être égoïste avec les femmes. Parce que les femmes sont vraiment égoïstes aussi. Vous n'avez jamais vu qu'une femme te laisse compte. Tu as l'impression que c'est elle là, elle fait 8 ans, elle là. Elle a fait 2 enfants, 3 enfants pour moi aujourd'hui. Je me suis occupé d'elle. Il est sorti de la galère, quoi. Demain, hein, elle t'est bouée. Elle s'en fout de ça. Les plus maudites, mais elles prennent tout ton argent pour partir. Parce qu'elles s'en foutent de toi. Les femmes s'en foutent des hommes. Parce que dans leur cerveau, elles se disent quoi? C'est un homme, il va trouver un moyen de s'en sortir. Moi, je suis une femme, il faut qu'on me protège. C'est comme ça qu'elles réfléchissent. C'est comme ça qu'elles réfléchissent. Les femmes n'ont pas pitié. Les femmes n'ont pas pitié. Donc, c'est à cause de ça que quand ils commencent à remarquer qu'il y a un certain manque de loyauté dans une femme, il y a un certain manque de temps. Il faut commencer à traiter la femme d'une certaine manière. Il faut commencer à être sur tes gardes. Il faut commencer à sentir ça. Parce que la femme n'est pas loyale. Tu comprends un peu? La femme n'est pas loyale. Quand tu commences à sentir qu'un coup comme cela, si tu veux voir même la loyauté d'une femme, même, c'est quand vous êtes en groupe, vous êtes dans les coins. Hein, c'est là que tu vas voir comment une femme agit. Tu comprends un peu? C'est là que tu vas connaître le vrai caractère d'une femme. Il faut toujours regarder les yeux des femmes.